chemin contre nous. Il faut faire quelque chose. C'est ton cheval, en fait, ça. Mon destin n'est pas ce destin comme le vôtre. Il vient d'ailleurs. Cet ailleurs est apparemment branché à l'Empire. Il a entendu l'ordre dans la collectivité. Je n'ai plus mis de pouvoir éveiller les autres. Mais je comprends la langue des ténèbres! De toute façon, les récifs vont arrêter toute attaque en provenance de l'océan. Hey, Grim, je ne suis pas encore assez ivre pour fonder notre nouvelle stratégie de combat sur les îles d'un animal. Merci, Kevin, je m'occupe du roi. Encore trop bu, Onyx. Seulement le roi contient pas mal. Ou ton esprit. Arrête de me faire la morale. C'est moi le roi. C'est un duel roi. Il y a des responsabilités avec ça. Les gens invisibles ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent quand ça leur chante. Je viens de ne pas me faire de sermon. Un conseil, alors. Tu vas trouver le moyen d'en faire une admonestation. Alors, je veux seulement te recommander d'aller te coucher. La bataille a été longue et épuisante. Tu as été blessé. Va donc te reposer. Si tu n'écoutes jamais ta femme, écoute au moins ton ami. Adrien a raison. Ce soir, tu bois pas pour les bonnes raisons. Merci d'avoir jeté l'œil sur lui, Adrien. De rien que ce soit mon lot. Je voyais même pas. Majesté? Si! Bonsoir, Mark! Bonsoir, si. Vous savez, si vous avez l'intention de porter cette armure, il va falloir m'appeler par mon nom. Mais, si, vous êtes un personnage de légende. Dans une autre vie peut-être, mais dans celle-ci, je ne suis qu'un simple soldat comme tous les autres. Mais c'est vous qui dirigez toute l'armée. Parce que voilà, n'est plus en mesure de le faire, c'est donc mon devoir de prendre sa place. Je suis venu vous épauler. Quand l'ennemi sera-t-il ici? Bien peur que vous n'ayez manqué la première bataille. Les soldats impériaux. Arrivés du désert au début de journée. Ils ont mis à rude épreuve. Deux chevaliers et trois écuyers ont perdu la vie. Que les dieux leur ouvrent sans tarder les portes et pleines de lumière. Plusieurs des nôtres ont été blessés, dont le roi. Nous n'avons cessé de leur prodiguer des soins. J'aurais dû arriver plus tôt. Non. Hoc! Personne ne vous le reprochera. De toute façon, nous aurons bientôt la chance de combattre d'autres ennemis. Mais dites-moi, qu'est-ce qui se passe à l'Emeraude? Les lames continuent d'avancer vers la montagne de cristal, mais nos alliés sont incapables de l'en empêcher. Les scarabées ont également percé nos lignes. Ils semblent se diriger tous au même endroit. C'est à ne rien comprendre. Mais l'état. Que diriez-vous d'aller coucher nos chevaux dragons? Allez, venez. Non, attendez. Une question me trotte dans la tête depuis que nous avons empêché Onyx de réclamer les mages des gens, les armes des mages chauliers. Ah, comme c'est étrange. Moi aussi j'ai une question. Mais je vous en prie, la vôtre d'abord. Vous étiez étonné que les dirigeants d'Ankidiev nous aient laissé dans l'ignorance des tunnels et des chambres de rituels sous château. Vous étiez donc connu à votre époque? Les rois et les magiciens les utilisaient fréquemment. Oui. Et ces derniers ont disparu les uns après les autres. Bah, j'imagine que, privé de la sagesse des mages, les souverains n'ont plus su comment les utiliser. Oh, quelle est votre interrogation à vous? Vous savez, lorsque Onyx, vous et moi avons été réunis,
que vous avez ramassé la pierre des Chauliens. Qu'avez-vous vu dans cette pierre? J'ai vu une femme. Je peux l'immaculer. Elle semblait me regarder comme si de l'autre côté d'un mur de cristal. Elle m'a même parlé. Elle m'a dit que j'allais devenir un guerrier magicien, comme mes camarades de classe. Et que ce serait à moi de faire pencher la balance de notre monde. Ah! Ça, c'est un coup majeur! Merci! Mais, sire, elle ne m'a malheureusement pas tout dit sur mon avenir. On verra en temps et lieu. Allez, venez, le chevaux dragon attend.